بدأت صباح أفكر. الخير. Avant de commencer, je tiens à remercier le professeur Dukun pour cette invitation, cette occasion de participer dans les conférences thématiques qui devient un rituel dans le centre. C'est quelque chose d'innovant. Hein. Et le thème que je vais présenter aujourd'hui a été un petit peu modifié par rapport à ce qui était prévu pour incorporer les extraits végétaux, qui est une partie intégrante des préparations à base de plantes. C'est dans ce sens qu'on va donner un aperçu sur les méthodes d'extraction, en même temps passer en revue les aspects qualité et réglementation des extraits. Et oui, il est essentiel de savoir qu'en Algérie, on n'a pas de cadre réglementaire concernant les plantes médicinales. Et dans ce sens, il y a un vide. Ce qu'il y a à la fin, je vais vous montrer certaines choses. Il y a une dérive concernant l'aspect sécurité d'utilisation des huiles essentielles, etc. Donc, pour avancer, je demande de l'aide. Donc, le plan suivant va être suivi. Donc, on va parler un petit peu des extraits d'un point de vue terminologique, de l'aspect de cette définition qui sont capitales concernant la compréhension de la chose. Dans la deuxième partie, on va parler bien entendu du contrôle et de l'aspect standardisation des extraits végétaux. Et on termine par le point de vue réglementaire sur les huiles essentielles qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, concernant les extraits végétaux, concernant la matière première utilisée par l'industrie phytopharmaceutique, il faut appréhender certaines définitions, notamment les principes actifs qu'on utilise dans les médicaments à base de plantes. Doivent être soit des drogues végétales, et là c'est la définition, c'est tout ce qui n'est pas transformé. Ça peut être des racines, ça peut être des résines, mais non transformé. Si on aborde si on effectue une opération de pulvérisation, ça devient autre chose. Donc tout ce qui est intact, non transformé, ça s'appelle drogue végétale. Maintenant la définition a un petit peu évolué. Dans le sens où on introduit le terme substance végétale au lieu de drogue végétale. Donc le terme drogue est beaucoup plus tiré de l'ancien drogue médicament. Donc on préfère actuellement au niveau de la réglementation d'utiliser le terme substance végétale. Concernant tout ce qui est préparation à base de plantes, c'est tout ce qui a subi une opération d'extraction, de distillation, de pulvérisation. Pulvériser une plante, ça devient une préparation. Maintenant, la différence entre un extrait végétal et une huile essentielle est bien entendu est facilement appréhendable. Parce qu'une huile essentielle, de par les composés volatiles, de par sa volatilité, elle est en opposition par rapport à un extrait végétal qui est beaucoup plus soit sous la forme solide, soit sous la forme brune, soit sous la forme liquide. Là où ça devient plus compliqué,
C'est quand on parle de... Parce qu'actuellement, si on demande une huile végétale, on nous ramène quelque chose qui a une senteur, qu'on appelle un macérant huileux. Une huile essentielle, la composition tahar avec un macérant huileux, c'est tout à fait différent. Une huile essentielle, c'est tout ce qui est volatile. Et un macérant huileux, c'est les parties odorantes qui ont été incorporées dans une matrice huileuse. C'est une huile normale, végétale. Donc, dans le macérat huileux, on va retrouver, bien entendu, une partie de la composante odorante. Donc, on a la senteur du romarin, on a la senteur d'autres plantes, mais on incorpore aussi une partie hypocrite. Et généralement, les macérats huileux sont, d'un point de vue sécurité, sont plus compliqués que les huiles essentielles. Parce qu'on a encore une partie huileuse, et cette partie huileuse, ça peut être étriquetée ou autre chose qui peut être guérie. Donc, dans le domaine pharmaceutique, une huile essentielle, bien entendu, a une définition précise. C'est tout ce qui est produit odorant, généralement de complexe, obtenu à partir d'une matière végétale, botaniquement défini, le terme est important, par la suite. Soit par entraînement à la vapeur, soit par distillation sèche, soit par un procédé mécanique approprié sans chauffage. C'est la définition extraite de la pharmacopée européenne. Maintenant, la production des huiles essentielles officinales, utilisées dans le domaine pharmaceutique, doivent être obtenues principalement par les techniques d'entraînement à la vapeur d'eau, distillation sèche, par exemple les racines ou les écorces, on peut les distiller par un procédé, récupérer l'huile essentielle, par un procédé mécanique, ça c'est dans le cas des agrumes, citron, etc., on récupère le zeste, on ne sait pas d'autres techniques ne sont pas tolérées, par exemple l'utilisation de solvants ou la propre chose est telle. Donc, les huiles essentielles doivent obligatoirement être obtenues par ces méthodes que je viens de citer. D'autres techniques sont utilisées pour obtenir des huiles essentielles, pas forcément officinales. Vous avez l'extraction par solvant, l'extraction par gaz supercritique, l'extraction par micro-ondes, l'enfleurage, on va voir le procédé d'enfleurage, et bien entendu, la distillation avec séparateur, l'hydrodiffusion, la porte. Donc, l'hydrodiffusion, c'est ce qu'on connaît traditionnellement, on met la plante et, dans de l'eau et on fait la distillation, on récupère l'huile essentielle. La distillation à vapeur saturée, c'est que la plante, elle est mise dans un enclos et c'est la vapeur qui passe et qui récupère et qui entraîne les produits volatiles qui seront séparés dans un serpentin par décantation. Donc, la deuxième méthode, elle est meilleure que la première méthode. Bien entendu, les techniques ont évolué d'un point de vue industriel. On utilise l'hydrodiffusion, c'est des équipements qui fonctionnent avec des pressions réduites et qui donnent apparemment des qualités d'huile essentielle meilleures que ceux obtenus avec les techniques précédentes. Extraire le zeste des citrons, il y a des techniques pour récupérer le zeste, les passants de l'irrigation, l'huile essentielle, elle est récupérée. C'est utilisé uniquement pour les agrumes. On peut également extraire les huiles essentielles par solvant, des solvants apolaires, et dans ce sens, on peut avoir ce qu'on appelle les absolus. Les absolus, c'est quoi? C'est quand on prend un matériel végétal, on le met dans un corps huileux ou de la graisse, et puis on va récupérer cette graisse-là, on met de l'alcool, et puis on va triturer de façon à ce que les parties odorantes, ou les composés volatiles odorants, vont passer dans l'alcool, et puis l'alcool est récupéré, et l'alcool il est distillé pour donner ce qu'on appelle des absolus qu'on va utiliser comme matière première en parfumerie ou en cosmétique. Bien entendu, cette méthode est exclue du domaine pharmaceutique. L'enfleurage, c'est une ancienne méthode. On utilise un corps gras, on met les pétales, généralement le jasmin qui est très subtil. On utilise le jasmin ou les roses dans un corps gras. Il va être saturé, on enlève les pétales, on remet les pétales jusqu'à ce qu'il y ait saturation, on récupère cette graisse. On fait les mêmes techniques pour avoir l'absolu à la fin.
D'un point de vue réglementaire, les extraits ont une définition précise. Les extraits sont des préparations liquides, extraits fluides et teintures de consistance semi-solide, extraits mous et oléorésine, ou solides, obtenus à partir de drogues végétales, généralement à l'état sec. Donc, c'est bien entendu, l'extraction se fait par le biais de solvants. Et comme le solvant, c'est un produit qui peut être toxique, il n'y a pas tous les solvants. On utilise de l'éthanol et de glycérol, l'eau. Ce sont les solvants les plus usuels. Bien entendu, on fait un broyage pour récupérer à la fin, après filtration, l'extrait qui peut être évaporé pour avoir des extraits de différentes consistances, solides, liquides ou mous. Là, on voit un petit peu un aperçu des techniques ancestrales. De mes gestes, c'était de faire bouillir une plante. Et puis, est apparu le concept de distiller. D'après Paracels, la plante n'est qu'une enveloppe. C'est l'âme de la plante. Ce qu'il y a à l'intérieur, il n'avait pas une appréciation des composés chimiques. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qui est actif. De là, j'ai le concept de distiller. C'était les premières techniques et bien entendu, la civilisation arabo-musulmane a développé ce concept, bien qu'il date des Chinois, mais il a connu un essor important dans la civilisation arabo-musulmane. Et puis, bien entendu, vous connaissez l'appareil de Stokes-Clay, c'est une extraction continue chaude. Vous avez les techniques d'extraction par gaz supercritique, on utilise le CO2 pour les corps gras, on utilise l'eau pour les corps polaires. Bon, cette méthode-là n'est pas agréée dans le domaine pharmaceutique, mais beaucoup plus dans le domaine agroalimentaire. Vous avez bien entendu les extractions à ultrasons, par ultrasons, ou les extractions par micro-ondes. Bon, ce n'est pas la peine de passer dans le feu en détail ces techniques. Maintenant, d'un point de vue industriel, on a des techniques beaucoup plus, on a des équipements beaucoup plus lourds. Ce que vous voyez ici, c'est une chaîne complète qui prend de la plante et l'extrait. C'est compliqué et c'est coûteux et ça permet d'avoir à la fin votre extrait. Donc ça part de la plante. Bien entendu, on utilise un procédé que ce soit une percolation, on va voir ce que c'est, le passage du liquide à travers la matière végétale, récupérer l'extrait, le concentrer, l'évaporer selon différentes consistances. Ce que vous voyez là, c'est un extracteur à membrane flottante qui permet d'extraire les plantes. Voilà, parce que quand on extrait, il y a toujours des macromolécules. C'est pour cela qu'on utilise un équipement d'ultrafiltration qui va filtrer l'extrait. Et là, pour sécher l'extrait, on utilise ce qu'on appelle un spray dryer. Il permet d'envoyer l'extrait sous forme de jet dans le solvant. Et la vapeur va permettre d'évaporer le solvant et de récupérer à la fin l'extrait sous forme de poudre. Donc maintenant, les différents. On parle de la matière première, on fait une extraction, une distillation, on concentre, dans le cadre de la distillation, on récupère ce qu'on appelle l'eau florale ou l'hydrola. L'eau florale, c'est quand on parle d'une fleur, et l'hydrola, c'est quand on parle d'une autre partie de la plante, et bien entendu, l'essentiel. Quand on concentre, on peut avoir des formes, ce qu'on appelle des formes sèches, par atomisation, on récupère des poudres, de plantes, d'extraits. On récupère aussi des formes pâteuses ou liquides. Donc, dans les formes liquides, on a différentes variétés. Tout dépend du solvant qu'on utilise. Donc, quand on utilise une huile, on va avoir un macérat huileux. On utilise une solution hydroalcoolique, bien entendu. On peut utiliser de la glycérine seule ou associée à l'eau. On peut utiliser de l'alcool à différents degrés, et bien entendu l'extrait aqueux, qui est obligatoire, par exemple, si on veut extraire des muselages, une racine, par exemple la guimauve ou la menthe,
est une plante dont les principes actifs, c'est des muselages, c'est des macromolécules posidiques. C'est uniquement avec l'eau qu'on va pouvoir les récupérer. Donc, j'ai parlé d'extraits de consistance différentes. Vous avez ce qu'on appelle les extraits secs, les extraits mous et les extraits liquides. Les extraits secs sont définis dans le sens où si vous faites une évaporation, le poids à la fin ne doit pas excéder, la perte de poids ne doit pas excéder les 5%. Peut-être que le boulot pour les extraits mous 30%, maintenant les valeurs ont été changées en... Il n'y a plus de normes par rapport à la teneur en solvant résiduel. C'est uniquement maintenu dans le cas de l'extrait sec. Maintenant, je vais introduire un concept assez nouveau, c'est ce qu'on appelle la standardisation des extraits. Il faut savoir que la standardisation va dans le sens de la qualité. Garantir une quantité, une teneur optimale en principe actif, c'est ce que veut l'industrie pharmaceutique. C'est dans ce sens qu'ils introduisent certaines terminologies. Quand on parle d'un extrait standardisé, je prends le cas de ce qu'on appelle chez nous Sénelmequin, ou ce qu'on appelle le séné. Le séné est une drogue laxative. On l'utilise pour la constipation occasionnelle. C'est dans ce sens que le marché nous fournit des extraits standardisés par rapport aux seules molécules actives. C'est ce qu'on appelle les sénosis, c'est des diantres. C'est des dérivés anthracycliques. Donc, quand on parle d'extrait standardisé, ça veut dire que la standardisation a été faite par rapport aux seules molécules actives. C'est dans ce sens qu'on introduit ce qu'on appelle active compound en anglais. Maintenant, le ginkgo biloba est une plante très intéressante. C'est une plante qui vient de l'Asie. C'est une plante qui a la vertu d'améliorer la circulation cérébrale. Quand il y a un problème, par exemple, un problème d'accident vasculocérébral, où la personne a une mauvaise circulation, a des acouphènes, elle a des bruits, tout ça, on lui conseille d'utiliser des extraits standardisés de certaines molécules. Ces molécules, c'est des ginkgolites, ce sont des sesquiterpènes et c'est des flavonoïdes. Donc, les ginkgolites, ce sont eux qui sont responsables de l'activité anti-agrégante plaquettaire, c'est-à-dire c'est eux qui dissocient les caries. Les flavonoïdes améliorent la circulation. Mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui agit globalement dans le ginkgo biloba. C'est pour cela qu'on fait une standardisation partielle. Et on parle dans ce cas-là d'extrait quantifié, pas d'extrait standardisé, quantifié à extrait. Par rapport à une partie et dans ce sens, on a produit ce qu'on appelle active marker, traceur, ce qu'on appelle un traceur en phytochimie. On parle d'actif traceur. Donc, cette standardisation a été faite par rapport à une partie des molécules. D'autres extraits, par exemple, l'ortie, on ne sait pas. L'ortie, elle est bonne pour ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est une plante qui a cette vertu d'améliorer l'urine, la DURS. On ne sait pas qu'est-ce qui agit. C'est dans ce sens qu'on prépare des extraits purifiés et puis standardisés par rapport à un marqueur analytique. Un marqueur, c'est n'importe quelle molécule qu'on prend dans l'extrait qui est facilement dosable et qui n'a pas d'activité dans la peau. Maintenant, j'introduis également ce qu'on appelle drogue extract léger. C'est un paramètre important pour différencier les extraits. Donc, quand on parle de sec, on utilise le terme DER, DER c'est drogue extract ratio, et deux valeurs. La valeur, la deuxième valeur, c'est la quantité d'extrait. Et la première valeur, c'est la quantité de la plante. Donc, j'utilise 50 parties de la plante pour avoir une partie de l'extrait. Donc, ça peut être gramme par gramme, ça peut être kilogramme par kilogramme. Donc, c'est un paramètre qui nous permet de... Donc, ça, c'est pour les extraits secs. Par exemple, les extraits mous, c'est un peu différent. On inverse le chiffre. Le 1 veut dire c'est la quantité de matière végétale. Et le 5, ça veut dire la quantité de solvant. Donc, on met 5 parties du solvant dans une quantité de matière végétale. Et puis, ensuite, on récupère une solution liquide. À
À quoi sert, bien entendu, ce fameux extrait? C'est pour comparer les extraits. Par exemple, si un médecin a deux marques différentes, un dos, par exemple, Apopharma qui donne l'extrait du ginkgo biloba, ou un dos naturactif qui donne un autre produit. Donc, lui, il n'a qu'à lire ses paramètres, le DEA, pour pouvoir faire est-ce qu'ils sont comparables, oui ou non. Donc, c'est un paramètre important pour l'usage clinique. Bon, ça a été dit par rapport à. Donc, c'est quand, dans ce sens, quand on dit un DEA de 51, veut dire 50 grammes pour 1 gramme, 50 kg pour 1 kg. On passe maintenant à ce qu'on appelle la qualité des extraits. Et pour insister sur une chose, c'est qu'une plante, c'est compliqué. Un extrait, c'est une partie de la plante. Donc, il va extraire par rapport à la nature du solvant, que ce soit un solvant apolaire ou polaire ou moyennement polaire, et pas une seule partie. Donc, l'extrait n'est pas égal au total, c'est-à-dire la partie entière. Donc, l'extrait, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ce qu'on appelle les constituants à effet thérapeutique. En anglais, on parle d'effecteurs. On va retrouver, bien entendu, de substances qu'on va utiliser dans le contrôle qualité. On va retrouver également des substances qu'on appelle co-effecteurs. Ce sont des substances qui vont permettre, qui vont améliorer, par exemple, la biodisponibilité de tel principe actif. Donc, on a démontré par certains cas que si vous utilisez une molécule seule ou vous l'associez à une autre molécule présente dans l'extrait, il y a une amélioration de la biodisponibilité. Qu'il y a la molécule va permettre un passage plus rapide du principe actif. Et on retrouve également des substances inertes, des sels en petite quantité. On va retrouver les macromolécules, protéines, cellulose, lignine, autre chose. Et on va retrouver, bien entendu, les marqueurs. Et dans certaines plantes, on va retrouver les substances allergènes qui peuvent provoquer des allergies. Par exemple, c'est ce qui peut être dans les ACAC ou certaines plantes ou certaines substances toxiques. Je donne un petit peu la complexité, la gélus, c'est la complexité d'une plante par un exemple, c'est l'aloe vera. L'aloe vera, le sucre et le gel. Donc, je vais parler du gel. Le gel a une multiplicité de composés. Ça va d'un polysaccharide qu'on appelle l'acémate, à la haut, vraiment le géocard, l'aloe vera, celui qui donne les vertus à l'aloe vera. Et vous avez une multiplicité de composés. Ah, la structure d'arbre qui est compliquée. Il est bien entendu hydrosoluble. Et le bon aloe vera, c'est le aloe vera qui est dosé par rapport à la sémanane. C'est lui qui est responsable de l'effet global. Il y a d'autres molécules, par exemple, l'écoute l'aloe vera est un peu de socope, de gel. Quand on le prend, il est légèrement amer. C'est dû à certaines substances qu'on appelle les stéroïdes. Quand ils sont là, il y a un effet hypoglycémiant qui se manifeste. Donc ça, c'est parmi les effets secondaires du gel d'aloe vera. Donc il faut savoir que la sémanane ou le gel d'aloe vera, il est bon pour cicatrisant. Il est bon comme anti-inflammatoire. Et c'est un immunostimulant. Et tout ceci est attribué à la sémanane. Vous voyez un petit peu, c'est une molécule qui a une multiplicité de cibles. Elle agit sur plusieurs choses. Et dans le végétal, vous avez une cible qui peut être activée par plusieurs molécules dans l'extrait. Et une molécule peut toucher plusieurs cibles. Ça, c'est ce qui définit un petit peu la complexité du végétal. Donc, un extrait ne peut être appréhendé que par les facteurs qui font fluctuer sa composition. La matière première, elle est importante. Le solvant utilisé, il est important. Le procédé d'extraction, il est important. Et l'équipement que vous utilisez, il est aussi important. Ça, c'est les quatre facteurs importants qui permettent d'appréhender la... Donc maintenant, pour aller dans le sens d'une meilleure qualité,
pour les plantes, on a introduit un système de management qui, de qualité qui commence de la plante en culture jusqu'à la production finale pour assurer une qualité reproductive. Donc, on parle dans ce sens-là des pratiques agroculturales, des bonnes pratiques agroculturales qui ont été définies par l'OMS et qui sont maintenant à adoptées par les entreprises qui font la transformation des plantes. On doit valider, bien entendu, la plante, le processus de production, le produit fini. C'est tout un système de qualité qui est mis en place pour s'assurer qu'on a des produits de bonne qualité à la fin. Donc, là, c'est pour situer un petit peu le niveau des extraits standardisés. Quand vous avez une plante, quand vous avez la poudre d'aha, la qualité elle est variable. Si vous avez un extrait, la qualité est variable. Les gens recherchent beaucoup plus des extraits standardisés par rapport au principe actif. Et quand on voit le prix un petit peu d'un produit standardisé par rapport au produit pas, évidemment, le prix standardisé, il est très élevé. Donc, en point de vue norme, pour les produits, on a les normes, bien entendu, ISO, et on a les différentes pharmacos. Généralement, quand on reçoit un produit, c'est le fabricant qui va vous définir ce qu'on appelle le certificat d'analyse. Il va vous donner les méthodes et les normes qu'il va utiliser pour le produit. Il se peut que c'est des produits et que ces normes-là, c'est propre au fabricant. C'est ce qui arrive assez souvent avec les produits chinois, venant d'Asie. C'est des normes propres au fabricant, mais généralement d'un niveau assez bas. C'est pour cela que pour identifier des matières premières de qualité, il faut dire bien entendu au début de l'analyse. Et quand la personne refère, par exemple, généralement l'Asie, on utilise le standard américain, l'USP, le standard de la pharmacopée américain. On voit bien qu'il y a du sérieux dans le. Sinon, vous avez la pharmacopée ou l'ISO. Donc, en matière d'ISO, donc il y a des références, par exemple, pour l'emballage, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse par CPG. Vous avez ce qu'on appelle des méthodes générales et vous avez des méthodes spécifiques pour chacune des plantes. Pour pouvoir contrôler une plante, vous devez utiliser ces méthodes-là. Donc, il y a des monographies par rapport aux plantes. Donc là, c'est un détail de ce qu'on retrouve concernant l'huile essentielle de menthe poivrée dans les normes ISO. Vous avez toutes les références, tous les tests que vous devez effectuer et bien entendu la méthode que vous devez utiliser. Donc quand on a une huile essentielle, si on veut contrôler sa qualité, on va vers l'ISO, vers la monographie de l'ISO, vers la plante concernée ou vers la pharmacopée. La pharmacopée, bien entendu, également vous donne les méthodes générales et vous donne également la monographie de chaque plante. Ça commence par une définition d'abord. Qu'est-ce que c'est la menthe poivrée ou l'huile essentielle de menthe poivrée, ses caractères, son identification et tout ce qui a trait au test. Donc ça, c'est comment on appréhende la qualité de l'huile essentielle. La première des choses, si la personne utilise une dénomination botanique exacte, le plus souvent, les huiles essentielles, on les définit par des clémentines. Par exemple, le thym, le romarin, un ou des clémentines. Donc, il ne suffit pas de dire Rosmarinus officinalis, et on a défini. Il faut donner chez la variété, chez le clémentine, surtout les clémentines. Donc, pour résumer, une huile essentielle chémotypée est une huile essentielle qui est de qualité par rapport à une huile essentielle. Il y a également des labels. Le label Écocert ou le label AB, qui est une huile essentielle avec le label Écocert ou la AB, ça veut dire que c'est des organismes qui certifient la qualité de l'huile. C'est-à-dire pas la qualité du produit final, mais le début jusqu'à la fin. Minigina, et comment il la transforme, comment il la stocke, etc. Donc, ça, c'est un label de qualité. Donc, on a ce label écossais pour la B, ça veut dire agenda.
Le label Cosmos, c'est pour généralement les cosmétiques, les huiles essentielles utilisées dans le domaine cosmétique. L'étiquetage est important des huiles essentielles, comme on va le voir après. Donc maintenant, un extrait végétal, quand on dit extrait, ça a une multiplicité de composants. Il ne suffit pas de doser un principe actif pour dire que lui, j'ai un produit de qualité. Il faut appréhender tous les composants de l'extrait. C'est pour cela qu'on perd d'empreinte génétique d'un extrait. Dans ce sens, l'extrait, elle doit un profil. Par exemple, là où l'extrait est authentifié. Donc, là où il est long, industriel, qu'on récupère. Donc, d'un point de vue qualité, on va comparer l'extrait de tous les lots par rapport à la référentiel. On parle dans ce domaine de l'empreinte chromatographique. Vous voyez un petit peu l'utilité d'un extrait authentifié. Donc, ce que vous avez en haut, c'est un extrait à analyser. Là, vous avez ce qu'on appelle l'extrait authentique, le ginkgo biloba. Et vous avez là un extrait qui a été adultéré. C'est-à-dire en anglais, adultération, c'est falsifié. Vous dites, j'ai bu un extrait de mauvaise qualité et vous injectez certaines substances que vous utilisez dans le contrôle. Par exemple, dans le cas du ginkgo biloba, assez souvent, on fait un dosage des flavonoïdes pour pouvoir. Donc, vous voyez un petit peu l'empreinte a été modifiée en introduisant extérieurement, en falsifiant le contenu des compéreurs, on voit que le profil, la quantité de ces molécules augmente par rapport aux autres constituants. Et de là, techniquement, on arrive à dire que c'est un essai falsifié par rapport. Donc, d'où l'importance de ce qu'on appelle le tracé chromatographique de l'extrait. On l'exige maintenant, c'est obligatoire que ce soit pour les huiles essentielles ou pour les extraits. Maintenant, pour la réglementation. La réglementation, elle, c'est compliqué pour les huiles essentielles. Pourquoi ? D'abord, il n'y a pas de définition unique des huiles essentielles. Il n'y a pas de disposition propre aux huiles essentielles. Toutes les dispositions prises réglementaires sont par rapport à l'utilisation du produit, que ce soit en pharmacie, que ce soit en cosmétique ou en agroalimentaire. Même les détergents et les produits de parfumerie ont leur propre réglementation. Donc, on n'a pas de disposition spécifique aux huiles essentielles, mais uniquement par rapport aux. Il entre comme ingrédient dans un médicament, donc il doit obéir à la réglementation pharmaceutique. Le secteur de la pharmacie, Gallec, les huiles essentielles, c'est des préparations. Comme un médicament à base de plantes, un de comme ingrédient actif, une préparation. Ça veut dire que l'huile essentielle est un ingrédient pharmaceutique. Il obéit à la réglementation pharmaceutique comme étant un ingrédient. Donc, moi, on ne fait pas ressortir l'huile essentielle, mais en disant que c'est un ingrédient pharmaceutique. Donc, il doit obéir au cahier de charge par rapport aux ingrédients pharmaceutiques. Les cosmétiques, c'est un peu léger. Cosmétiques, il n'y a pas de réglementation. Certaines substances, certains terpènes, monoterpènes, c'est ce qui terpène. Et il faut les éviter ou il faut les mettre en petite quantité dans les cosmétiques. Le secteur agroalimentaire, c'est très compliqué. Je préfère que peut-être on va faire une autre conférence pour le sujet des ce qu'on appelle les compléments alimentaires et donc de l'alimentation et autres. Les autres secteurs, par exemple, il y a des régions où les huiles essentielles sont considérées comme étant des produits chimiques. Donc, de là, on a dans la législation européenne à élaborer une réglementation propre qui est très lourde, très contraignante concernant l'usage des huiles essentielles, dont les détergents ou autres. Ils veulent l'élargir à d'autres secteurs. Mais il y a une opposition de par les secteurs concernés. L'huile essentielle en vente à l'État, bien entendu, les huiles essentielles de Joseph, les gens commencent à les vendre même par Internet, etc. Il faut savoir que les huiles que vous voyez là ne peuvent pas être vendues par n'importe qui. Seul le pharmacien peut les vendre, parce que c'est des huiles qui posent problème. Donc, les huiles essentielles, par exemple, les huiles essentielles de soja, officinale, c'est des huiles qui contiennent de la thurone, ils sont neurotoxiques. Donc il faut savoir les utiliser. Donc certains composants des huiles essentielles, comme les aides qu'on va retrouver dans l'anis vert, dans le patia, ou dans les plants, dans le halawa et la banyan de Chine, vous avez d'autres huiles qui peuvent être dangereuses aussi. Ils peuvent être dangereuses pour la femme enceinte, ils peuvent être dangereuses par rapport au foie, par rapport à autre chose. Je prends cet exemple
de la menthe polio, Mentha pulegia. Il faut savoir que la menthe pulegia, elle contient de la pulégone avec des concentrations assez importantes. On peut aller jusqu'à 80%. Et cette substance, elle est responsable de l'hépatotoxicité, de troubles rénaux, de troubles neurologiques et de troubles pulmonaires. C'est-à-dire, c'est très différent. Le mécanisme qui est à l'origine de ceci, vous avez la pulégone qui va être transformée dans le foie, va nous générer ce qu'on appelle la mentofurane, va nous générer ce qu'on appelle la gamma-cétoénale. Et ces deux molécules vont se coller aux protéines, vont se coller à l'ADN et vont perturber au niveau hépatique, au niveau rénal, au niveau pulmonaire, au niveau neurologique. Donc ça, c'est l'hédonie qui le donne, qui le utilise. C'est un produit qui est sur le marché. Chez nous. Bon, j'ai essayé de maquiller un petit peu la marque pour ne pas tomber dans un problème juridique. Il propose la menthe polio, l'huile essentielle de menthe polio. Je ne fais pas, c'est flio. Originalement, c'est flio. Le flio, on appelle menthe polio, au chez vous. Ne pas utiliser pendant les 3 premiers mois de la grossesse et pendant l'allaitement et chez les enfants de moins de 6 ans. Les enfants de moins de 6 ans, mais allez, c'est-à-dire que les huiles essentielles en général, sauf certaines huiles précises, ne doivent jamais être données à un enfant de moins de 3 ans. À moins de 6 ans pour les huiles essentielles en général. Et vous pouvez être sûr, à 12 ans, pas mal. Donc, je vous remercie. Du coup, je pense que je vais venir à ma conclusion après. C'est qu'on a donné aux gens la possibilité de faire de la distillation, d'acheter du matériel, de faire des matanouchites clean. Matanouchites, la chose la plus importante, c'est de savoir où qui va lire une étiquette. Comme vous. Un appel qui trouve que la personne n'a pas dit autre chose. Et c'est des produits proposés par l'internet. Vous voyez, un homme italien, vous avez juste censé faire une pharmacie. Par internet, c'est-à-dire que n'importe qui peut avoir n'importe quel produit qu'il veut. Vous voyez un petit peu ce que propose un des fournisseurs. Il propose de la moisse blanche. La moisse blanche vient à la tuyauterie. Elle est neurotoxique. Vous savez, elle doit être vendue uniquement que sous la responsabilité d'un pharmacien. Tous les aromas, tous les aspérations en général. La sauge également n'est pas très rare, une neurotoxine. Elle doit également être chauvenale, la menthe polio, qui doit normalement ne pas figurer du tout dans la liste des huiles essentielles. Elle est présente, elle est proposée aux gens. Vous voyez un petit peu ce que peut faire une huile par rapport à la peau. Si on l'utilise, parce qu'en vidéo, c'est les cosmétiques, les huiles essentielles, etc. On risque d'avoir ce problème-là. De provoquer des dermatites par rapport à ce qui s'appelle l'acné, de provoquer même des photosensibilisations par rapport à certains composés qu'on appelle les furanocoumarines, qui incorporés on les retrouve dans les coumarines, on les retrouve dans les huiles essentielles, ils peuvent par le biais de la lumière vous provoquer des brûlures de premier degré et deuxième degré. Donc là, c'est pour terminer. En conclusion, ce que je voulais dire, c'est que la valorisation des plantes médicinales ne peut se faire qu'à travers une stratégie. Ça, on est d'accord. Cette stratégie doit prendre plusieurs volets. Moi, ce que je propose, c'est que parmi les mesures à adopter dans le cadre de cette stratégie, c'est de capitaliser, renforcer et intégrer les activités de formation, de recherche et de développement. Je dis formation. Formation des gens qui sont dans le secteur et qui veulent s'investir. Donc, de la recherche et développement, parce qu'on ne peut pas faire des extraits, etc., sans faire affaire aux chercheurs. Au niveau des structures, que ce soit l'université, le centre de recherche ou l'institut agronomie ou autre. Élaborer un diagnostic approfondi du patrimoine naturel, l'inventaire et cartographie du potentiel de production existant et des conditions socio-économiques qui sont réglementées et normaliser les femmes, les plantes médicinales. On n'a pas de pharmacopée, on n'a pas de normes. Hein, l'armoise, chier, oui, mais on n'a pas de normes sur l'armoise.
élaboré une charte et un code d'usage de bonne pratique couvrant les aspects de la filière. Moi, je prends un petit exemple. L'huile essentielle de le romarin au Maroc, il est menacé d'extinction. Ce qui va arriver chez nous. Parce que nous, quand on est forêt, il n'y a pas une approche de conservation de la biodiversité. Est-ce qu'il y a un fond qui va y aller? Est-ce qu'il y a la racine qui est là? Donc tout ceci doit être impliqué. Il y a une approche pour conserver le. Bien entendu, on revient à la fameuse banque de données des plantes médicinales qu'il faut absolument développer parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir identifier notre potentiel floral. Je vous remercie. S'il y a des questions, je ne sais pas comment vous posez. S'il y a des questions, je vous pose. Non. Thank you very much for your presentation. I have a question about the extraction by subset of cannabis. Sure. Thank you very much for your presentation. I have a question about the extraction by subset of cannabis. If we realize expansion by subset of factors, we can have most of the secondary metabolites in this plant. How can we separate or isolate essential oils from the glut extract? Well, l'extraction par substrat, je parle de la langue, de 2000 de mémoire. Donc, l'extraction par substrat est une extraction qui n'est pas adaptée les huiles essentielles. Pourquoi? Parce que vous faites intervenir un chauffage. Donc, les huiles essentielles vont pouvoir être libérées. Moi, ce n'est pas la méthode. Si vous voulez récupérer les huiles essentielles, c'est par entraînement à la vapeur, par, si ce n'est pas l'usage pharmaceutique, par l'extraction par solvant. Même l'extraction par solvant vous permet d'avoir une partie des huiles essentielles et une partie des coupures. Donc, les méthodes que je vous conseille, c'est l'entraînement. Le clé d'ingénieur. Le clé d'ingénieur, c'est pour le dosage. Si vous voulez récupérer des quantités, il faut développer votre propre équipement, plus qu'un distillateur, un réfrigérant. Etc. Donc, ce n'est pas la bonne méthode pour pouvoir récupérer les huiles. Question. Merci pour cette brillante présentation. Je voulais avoir votre avis sur la problématique, peut-être que vous ne l'avez pas cité directement, mais les huiles essentielles dans les équipements à l'état pur, oui. Généralement en pratique pharmaceutique. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur les gammes de concentration et surtout quel est le meilleur véhicule de dilution pour ces huiles? Bon, écoutez, les huiles essentielles, et là, il est tout à fait dans le bon truc, c'est que les huiles essentielles, on ne peut pas les utiliser pures. C'est-à-dire, si je prends le romarin, par exemple, j'ai des migraines, je prends deux ou trois gouttes et je les mets là. Jamais ici, jamais là. D'accord? Jamais sur la bouche, parce que là, ça pénètre rapidement. Donc, surtout les yeux. Hein. Donc, ça permet de... Sinon, il y a d'autres essentiels, ou la plupart des essentiels, qui sont dangereuses. C'est dans ce sens qu'il faut les mettre dans un véhicule. C'est-à-dire, quand je dis véhicule, une huile neutre. Donc, on a l'huile d'olive, ou l'huile, si on veut garder cette odeur-là initiale de l'huile essentielle, on peut utiliser une huile neutre. Il n'a pas d'odeur. Et Ushikulu, que par voie orale, on peut utiliser de l'huile, par exemple, dans du miel. 2-3 gouttes, 4 gouttes dans du miel, et on attend. Parce que les huiles sont irritantes sur les muqueuses. On peut les associer à du miel, à une huile neutre, l'huile d'olive, par voie cutanée, ça passe. Hein, ça passe. Donc il faut savoir qu'une huile essentielle peut passer par voie cutanée. On ne connaît pas vraiment la biodisponibilité de toutes les huiles, mais on est sûr que ça passe. Et vous, par voie
sur les muqueuses, par exemple, anal ou la suppos, par exemple, l'anal, il voulait qu'il faut faire attention, pas toutes les huiles, il y a des huiles qui sont irritantes, et de là, il y a une précaution à faire. En matière de dosage, il n'y a pas, c'est-à-dire d'après ma lecture qui est faite, il n'y a pas un dosage homogène, uniforme, avec chacune des huiles, un le dosage. Merci. Je prends par exemple l'huile essentielle de menthe, poivrée, ou n'importe quel menthe qui contient du menthol. Si je la mets l'ana sur un enfant, il va avoir un réflexe d'aglotte. Donc, pour dire que les huiles sont essentielles, il faut les manipuler avec précaution et surtout une ligne de conduite. Les enfants de bas âge ont moins l'air. Au-delà, avec précaution, mais mélanger avec de l'huile. Il faut diluer l'effet toxique ou l'effet irritant ou autre chose. On a quelques questions des intervenants par Zoom. Donc, on a Madame Fatiha Achesh qui a posé comme question. Quelles sont les analyses chimiques après avoir obtenu une huile essentielle? Bon, là, on revient à ce que propose l'Arnaud ou ce que propose la pharmacopée. Une huile essentielle, d'abord, il faut, parce qu'on exige, généralement, pour les huiles essentielles, je sais, on doit un tracé pharmacographique. Deux huiles essentielles. On exige dans la pharmacopée plusieurs tests. Si je reviens en arrière concernant les tests, vous avez un test d'acidité, un test de peroxyde, il y a plusieurs tests qu'il faut. Donc, là, il faut consulter des normes ISO qui sont accessibles. Oui. Une autre question de Madame Selma Annen. Quelle est la méthode d'extraction qui donne un bon rendement? Entraînement à la vapeur, je crois. C'est-à-dire, on revient toujours à la deux méthodes de choix qui dépendent de l'huile. Si c'est des agrumes, bien entendu, c'est l'expression. C'est récupérer le zeste et faire. S'il s'agit d'entraînement à la vapeur, non, dans le labo, pour être sûr d'avoir la quantité qu'il faut, on utilise un Clevenger. Là, c'est pour titrer. Ça veut dire qu'on a exactement la quantité qui est dans la plante, dans l'organe. Donc, on utilise pour ça un appareil qu'on appelle le Clevenger. Une autre question, demandez au monsieur de nous parler de l'hémisynthèse, une association entre l'huile essentielle et un composé organique. L'hémisynthèse, une association entre l'huile essentielle et composé organique. Bon, l'hémisynthèse, c'est la transformation d'un produit naturel. On a un produit qui est actif. Bon, l'association de l'huile essentielle avec un produit étranger, un produit molécule. Dans quel intérêt? Allez, c'est de faire deux associations. Est-ce que si on met une huile essentielle avec une molécule, c'est pour peut-être potentialiser l'effet, avoir un effet plus important? Si j'ai une molécule, j'ai une huile essentielle qui est anti-inflammatoire, je veux booster un petit peu l'effet, j'utilise une molécule qui a cette vertu d'avoir une action anti-inflammatoire pour potentialiser l'effet. Généralement, quand on fait une association, c'est dans un but précis de diminuer la dose, ou de potentialiser l'effet, ou de diminuer les effets secondaires. Je ne sais pas si j'ai répondu ou pas à. Est-ce que vous avez une question? Oui, merci, professeur. Bon, on se rend compte quand même de la complexité du domaine de la thérapie. Effectivement, il y a la matière à discuter. Bon, j'aurais peut-être deux questions concernant les produits issus des huiles, les molécules qui sont dans la activité. Bon, si on prend par exemple du pont Véloir ou Bopti, vous avez dit quelque part qu'il peut y avoir 3 ou 4 molécules actives dans ce produit et que l'effet, on ne connaît pas encore l'effet. S'il y a un effet conjoint, vous savez, ça veut dire qu'il y a une synergie, le produit agit sur
là-dessus. Mon signal, quel est l'état de la question? Est-ce qu'il y a eu des études vraiment qui ont travaillé sur cette synergie, sachant que même dans le domaine de la pharmacie, il y a ce problème-là qui est posé par les professionnels. Deuxième question, quel est votre avis sur les étalages qui actuellement sur les médicaments qui sont issus de la synthèse, qui sont détenus par des lobbies, et maintenant les plantes médicinales ont du mal à même au niveau international, on sait qu'à l'étranger, il y a des grosses officines de plantes médicinales, mais le médicament à base de est-ce que c'est un problème de parcours, parce que le parcours de la plante, du produit qui est issu de la plante médicinale, est moins réglementé ou il y a moins d'exigence, c'est le fait de. Bon, c'est juste bon, quelle est la position de ces plantes médicinales au niveau mondial par rapport à ce médicament qui est. Alors, si je vois pour la première question, synergie. Concernant les synergies. Le synergisme dans le végétal, il est prédominant. C'est-à-dire, je prends un exemple assez simple, Rochette l'artichaut. Il a la veine à l'artichaut, une bonne digestion, il agit sur le foie, des insulines dans le foie, etc. On n'a pas, à ce jour, défini une fraction passive. On est obligé d'utiliser l'extrait brut. Alors, parce que la multiplicité des composés donne un effet global plus important que si on sépare à la fin, on n'a pas d'activité. Donc, dans le cas du ginkgo biloba, j'ai parlé du ginkgo biloba, qui ont été antibas. Il y a eu des tests, on a récupéré le ginkgo biloba A, B, on les a associés. On a retrouvé que l'effet de l'association est plus important que d'utiliser les molécules Wahedam. Ça, c'est pour le ginkgo biloba A et B. On utilise pour ça la méthode de l'isomole. Quand elle est concave, on parle d'un effet synergisme. Quand elle est droite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction. Quand elle est convexe, on parle d'un effet antagoniste. Dans ce sens, le ginkgo biloba A et B, quand on les a mis ensemble, on s'est aperçu que l'effet, il est meilleur que A et B. Si la dose est plus faible, d'où l'intérêt d'utiliser l'association. Et ça, c'est pour dire que le synergisme il est important. Le synergisme, ce n'est pas uniquement de potentialiser l'effet. Je prends par exemple l'opium. Je prends l'opium. L'opium, quand on le prend, on a un effet de constipation qui est léger. Mais si vous prenez de la morphine, le principe actif, vous avez une constipation sévère qui s'installe. Donc de là, on déduit qu'il y a certains composants qu'on appelle les co-effecteurs et les effecteurs. Les effecteurs, c'est eux qui sont responsables de l'activité, et les co-effecteurs sont là pour aider dans la biodisponibilité, améliorer le passage, pour diminuer les effets secondaires. Donc, dans le végétal, on a des preuves que le synergisme, il est là. La molécule peut agir sur plusieurs cibles, plusieurs molécules peuvent agir sur ce qu'on appelle la multiplicité des. La deuxième question, si j'ai bien compris, la dualité entre les molécules conventionnelles ou des médicaments conventionnels et les médicaments à base de. Maintenant, je ne parle pas de dualité, mais de complémentarité. Parce que les médicaments à base de plantes ont un angle de terrain d'utilisation des indications. Et par exemple, j'ai un problème d'arthrose. J'ai une crise d'arthrose. Actuellement, ok, j'ai produit des calcona, est-ce que je dois l'utiliser pour le problème d'arthrose ou d'air? Bon. Première des choses, c'est que quand on a une crise inflammatoire, il faut utiliser des molécules conventionnelles, des médicaments conventionnels. Mais chez les médicaments conventionnels, avec le temps, vous avez des problèmes, des effets secondaires. Donc, dans ce sens, quand il y a une crise, j'utilise le médicament. Qu'est-ce que le médicament? Je prends des cures de plantes. Et les plantes, il ne faut jamais les utiliser
long cours, c'est-à-dire un cachistan. Dire une cure, j'arrête, je laisse le corps se rééquilibrer. Et puis, je reprends une cure. Comme ça, je préviens les crises inflammatoires avec le temps, avec moins d'effets secondaires. L'écoute que les plantes affirment chez les effets secondaires, mais arrachées. Les plantes firent des effets secondaires, firent des problèmes d'intoxication, etc. Il faut les utiliser comme il faut. Si le produit que je vais choisir avant le plan, je dois être sûr qu'il est cliniquement validé. Hein? Et là, on a fait des études et on a vu que le curcuma, oui. Mais le curcuma, le problème, c'est que quand on fait par ama ou décoction, ça ne sert à rien du tout. Là, parce que le principe actif, il est lipophilique. Il doit être mis dans de l'huile. Macérer de la poudre dans de l'huile, oui. Mais également, on s'est aperçu que la curcumine, le chef de file, parce qu'il n'y a pas que la curcumine, il y a la curcumine, oui. La curcumine ne passe pas facilement. Sur 1 sur 99, c'est dans ce sens-là qu'on doit choisir un produit qui est standardisé. Il y a des formes, on s'est aperçu que prendre les curcuminoïdes et les associer avec les huiles essentielles, on voit qu'il y a 7 fois une augmentation de la biodisponibilité. Donc il y a des formules qui marchent et d'autres formules qui ne marchent pas. Donc il faut vraiment analyser le produit. Si c'est un produit qui va être standardisé et vous voyez, est-ce que un problème de biodisponibilité, là, c'est un produit qui est intéressant à explorer. Bien entendu, le curcuma, l'extrait de curcuma, les effets secondaires, par exemple, les anti-coagulants, etc. Il faut faire très attention avec les plantes. Merci. Moi, je souhaiterais je m'invite pour la prochaine, pour le problème de la réglementation des compléments alimentaires. J'ai une question concernant le côté réglementaire. Vous avez parlé de normes ISO, de pharmacopée et de normes américaines. À défaut d'absence de réglementation chargée, qu'est-ce que vous préconisez en termes de rigueur, entre les trois, le réflexe, oui, c'est la pharmacopée. Oui. Les asiatiques, c'est tout ce qu'il y a. Donc, le réflexe, c'est la pharmacopée européenne. Moi, ici, je suis la pharmacopée française. La pharmacopée européenne. Ben, la pharmacopée européenne, j'ai la pharmacopée française et la pharmacopée allemande. Donc, on réfère aux standards de la pharmacopée européenne. Ils sont accessibles, les pharmacopées, peut-être la 8e édition, je crois, ils sont à la 10e. Voilà. Vous voyez, chargé maintenant de faire une base de données sur les plantes décimales. Pour venir à la base de données, j'ai initié ce travail il y a une dizaine d'années. Donc, on a conçu le logiciel. Okay. On a la phase finale. Je passe à autre chose. Il n'y avait pas quelqu'un qui nous stimulait. Hein? Un chercheur, il fait le hein? Hajj, il fait le Hajj. Avec la Larna, on a travaillé en Révèle au Tahar. Il y a 10 années, on a réfléchi sur l'idée de faire une base de données. Il y a le problème maintenant, on a la base. C'est la base de données doit être interactive avec les bases de données étrangères. C'est-à-dire, dès qu'avec des mots-clés, dès qu'il y a quelque chose, elle récupère l'information. Ça, on ne peut pas l'utiliser manuellement tout le temps. Quand il y a une information, automatiquement, elle est insérée dans la base de données. Elle a un aspect de technique par rapport à, disons, la valorisation de la plante. Ça nous donne un succès. C'est dans ce sens. Merci pour votre présentation. J'aimerais bien avoir quelques éclaircissements concernant le gynécolide A et B. Exemple que vous avez donné. Vous avez dit qu'il est standardisé, c'est ça. Est-ce que dans l'huile essentielle, ce gynécolide, c'est le produit majoritaire, ou bien la standardisation est relative à quoi? Parce qu'il est majoritaire ou bien parce qu'il est... C'est la molécule biologiquement active ou quoi? Le ginkgo biloba est un extrait végétal.
Donc, Manouche a la première des essences. C'est un extrait végétal. Donc, l'extrait, on va rétablir une multiplicité de composants. Pour des raisons, ils ont fait des études, etc. Ils ont vu que les gynécolites ont une contribution à l'activité, par rapport à l'activité anti-TA. Donc, les extraits actuellement de gynécolites qui marchent, c'est ceux qui sont standardisés à 24% en flavonoïdes et à 6% en gynécolites. Donc, une substance qui a des effets secondaires, des contacts de l'ordre du PPA. C'est-à-dire la standardisation qui marche cliniquement parlant. Donc, si vous achetez du ginkgo biloba en pharmacie, auquel il y a un standard non standardisé, donc il faut les éviter. Quels sont ceux qui sont standardisés à 24%? Le chiffre de la circulation. D'accord? Il y a ceux qui sont standardisés à 24% et à 6%, et le chiffre de la mémoire. L'amélioration de la mémoire, surtout c'est les sujets âgés. Il y a un nombre d'étoiles cognitives. À un certain âge, je vois bien ça, et un accident vasculo-cérébral, on lui donne du ginkgo pour essayer de l'aider un petit peu. Alors, donc la standardisation, elle est faite par rapport à deux groupes de métabolites. C'est les sécithérins qu'on appelle ginkgolines et les flavonoïdes. Et les molécules qui sont actives, ce sont deux des écolites. Les ginkgolites, ce sont les molécules qui sont actives, biologiquement actives, sont-elles dans l'extrait? Ils ne sont pas seuls. Oui, parce que j'ai dit que l'extrait de ginkgo il est quantifié ou standardisé par rapport à une partie des principes actives. On a des études qui disent qu'il y a d'autres molécules qui activent. Pour ne pas compliquer la chose, il y a beaucoup d'études, on va choisir les deux groupes. Et par rapport à ces deux groupes, parce que techniquement, on fait un extrait, on le standardise par rapport à deux principes actifs. On fait des essais cliniques. Si ça marche, on va dire que ce qui donne, ce qui est efficace pour ces indications-là, il doit avoir cette standardisation. Donc, le problème d'amélioration de mémoire chez les sujets âgés, il faut que l'extrait soit standardisé par rapport à ces deux groupes-là.